Merci beaucoup, Nolwenn, pour ces quelques mots de présentation, ainsi qu'à Maxime. Effectivement, vous l'avez souligné à très juste titre, j'ai toujours trouvé ce projet très, très stimulant, très intéressant. Je pense que ça peut donner lieu à un ouvrage assez, assez original sur une présentation jurisprudentielle territorialisée, en quelque sorte, sur l'angle des cours suprêmes. Donc je pense que par rapport au panel d'ouvrages juridiques qui sont publiés chaque année, ça peut donner lieu à quelque chose d'assez original par rapport à ce qui existe déjà. Alors bonjour à tous, pour ma part je veux vous parler d'un arrêt du Conseil d'État du 3 novembre 1997, donc Société Millon et Marais. Donc c'est un des arrêts fondateurs de l'intégration du droit de la concurrence dans le droit des services publics. Donc si on devait en résumer l'apport de manière lapidaire, on pourrait le dire ainsi, donc ce rapport, ce lien entre le droit de la concurrence et le droit des services publics. Alors la société Millon et Marais, commençons par là, c'est une entreprise de pompes funèbres qui est installée à Fleury-les-Aubrais et qui existe toujours. Vous pourrez la rencontrer en allant vers la gare SNCF, puisqu'elle se trouve à proximité du grand cimetière d'Orléans. Et donc elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis 1962, donc une entreprise qui a déjà une certaine ancienneté au niveau local. Un litige va naître entre cette société, Millon et Marais, et une autre entreprise de pompes funèbres, cette autre entreprise étant la Société des pompes funèbres générales. Et le litige entre ces deux sociétés va naître autour d'un contrat signé en 1987, le 26 novembre pour être tout à fait précis, par le maire de Fleury-les-Aubrais. Et ce contrat, il accorde à la Société des pompes funèbres générales une concession, la concession du service extérieur des pompes funèbres dans cette commune. Le litige entre ces deux sociétés va remonter jusqu'à la cour d'appel d'Orléans. Cour d'appel d'Orléans qui va décider de sursoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité du contrat de concession. Elle procède donc à une question préjudicielle, à un renvoi préjudiciel sur une question très précise, celle de la régularité du contrat. Et naturellement, on comprend bien que cette question préjudicielle, elle découle du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives qui empêche le juge judiciaire, en principe, de connaître des actes de l'administration. Vous aurez reconnu ici la loi des 16 et 24 août 1790. Par un jugement du 9 mars 1995, le tribunal administratif d'Orléans rejette les conclusions de la société Millon et Marais tendant à ce que le contrat de concession en question soit déclaré comme invalide. La société Millon et Marais va alors faire appel de ce jugement, d'où l'intervention du Conseil d'État, en principe compétent pour les questions préjudicielles, en appréciation de la légalité ou en interprétation d'actes relevant de la compétence des tribunaux administratifs en premier ressort. L'argument principal qui est mis en avant par cette société Millon et Marais, c'est la méconnaissance des règles de la concurrence, tant interne que communautaire, s'agissant donc de la conclusion de ce contrat. Et cette jurisprudence, finalement, ce contentieux, pose une question assez simple. Faut-il prendre en compte le droit de la concurrence au moment d'engager une concession de service public par la voie contractuelle? Alors aujourd'hui, la réponse peut paraître assez évidente, étant donné que l'on vit depuis un certain nombre d'années sous l'empire de cette idée d'exigence concurrentielle. Mais à l'époque, la réponse n'était pas aussi évidente que cela. Et je vais commencer par cela, par ce rappel de ce que pouvait être le droit applicable avant la jurisprudence Millon et Marais, ce qui nous permettra de mieux mettre en exergue la portée de cette jurisprudence. Avant l'arrêt Millon et Marais, donc rendu par le Conseil d'État en 1997, le principe était celui d'un refus de la prise en compte des règles de concurrence en tant que condition de la légalité d'un acte administratif, pour le dire de manière très, très rapide. Et ce refus, il était fondé sur une certaine interprétation de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Cet article 53, il dispose que les règles de concurrence s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de service, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques. Et parmi ces règles de concurrence, par exemple, on trouve la prohibition des ententes, visée par l'article 7, ou encore la prohibition des abus de position dominante, visée par l'article 8. Cette application des règles de concurrence allait dépendre de l'interprétation retenue de l'article 53 de cette ordonnance de 1986.
Et pour le dire de manière très synthétique, deux lectures étaient possibles. Une première lecture de cet article 53 consistait à dire qu'il ne s'appliquait, qu'il ne devait s'appliquer, cet article, que lorsque les personnes publiques se livrent à des activités de production, de distribution et de service. En d'autres termes, l'article en question ne s'applique que lorsque les personnes publiques sont en situation d'opérateur économique sur le marché concurrentiel. C'est seulement dans cette optique-là que les règles de concurrence doivent s'appliquer. Dans le contexte de l'époque, naturellement, cela n'a rien de choquant de retenir une telle interprétation, puisqu'on est dans une époque où l'interventionnisme direct des personnes publiques sur le marché économique est encore assez fort, avec de très nombreuses entreprises nationalisées, de nombreux établissements publics industriels et commerciaux, de nombreuses régies directes, etc. Une seconde lecture de cet article était néanmoins possible, une seconde lecture moins littérale, plus souple, mais aussi plus large. Cette lecture consistait à dire que l'article 53 pouvait s'appliquer dès lors que les actions des personnes publiques ont un impact sur les activités de production, de distribution et de service. Peu importe alors que cet impact résulte d'une action économique directe des personnes publiques ou alors d'une action comme simple, entre guillemets, autorité normative. Dans cette seconde lecture, le droit de la concurrence est amené à s'appliquer même lorsque les personnes publiques ne se livrent pas directement à des activités économiques. Il suffit qu'elles prennent des actes juridiques ayant des effets sur ces activités économiques. Et une telle lecture, vous le comprenez bien, aurait conduit ou conduirait à étendre assez largement le champ d'application du droit de la concurrence en y soumettant tous les actes administratifs pouvant avoir des effets économiques. Dans un premier temps, la jurisprudence a retenu la première des lectures que je viens d'évoquer. Plusieurs jurisprudences permettent de l'illustrer. Une première illustration, c'est un arrêt du tribunal des conflits rendu le 6 juin 1989, un arrêt ville de Pamiers, pour le résumé de ou préfet de la région Île-de-France, donc les deux termes sont visés. Et d'après cet arrêt, l'organisation du service public de la distribution d'eau, puisqu'il s'agissait de ce service public-là dans l'affaire, l'organisation du service public de la distribution d'eau, à laquelle procède un conseil municipal, n'est pas constitutive d'une telle activité. Aussi, l'acte juridique de dévolution de ce service n'est pas par lui-même susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché. Autre illustration du fait que la jurisprudence a plutôt retenu la première lecture de l'article 53, c'est un arrêt cette fois-ci rendu par le Conseil d'État, un arrêt rendu le 23 juillet 1993, un arrêt Compagnie Générale des Eaux. Et d'après cet arrêt, les règles de concurrence, contenues dans l'ordonnance, ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant qu'elles se livrent à des activités de production, de distribution ou de service. Or, précise le Conseil d'État, l'organisation du service public de la distribution de l'eau, il s'agissait encore d'une telle affaire dans l'espèce, l'organisation du service public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité. Et plusieurs jurisprudences confirment cette approche, par exemple les arrêts du Conseil d'État du 29 juillet 1994 CAMIF ou un arrêt du Conseil d'État du 10 juillet 1996 Étienne. La jurisprudence Millon et Marais vient précisément totalement bouleverser cette approche. L'arrêt Millon et Marais, en effet, vient reconnaître la prise en compte des règles de concurrence comme condition de la légalité d'un acte administratif. Pour ce faire, le Conseil d'État, dans cet arrêt, va contrôler si le contrat signé entre la commune de Fleury-les-Aubrais et la Société des Pompes Funèbres Générales contrevient aux règles de concurrence. Le constat qu'il en tire est que le contrat litigieux, en attribuant à la Société des Pompes Funèbres Générales un droit exclusif sur les prestations du service extérieur des pompes funèbres de la commune, a créé, au profit de cette entreprise, une position dominante au sens des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance. Toutefois, cette situation de position dominante ne peut pas être confondue avec une situation d'abus de position dominante
abus qui est interdit, prohibé par l'ordonnance de 1986. Il rejette la qualification, la caractérisation d'un abus de position dominante en s'appuyant sur deux indices principaux. D'une part, on est en présence d'un contrat de 6 ans qui est renouvelable une seule fois par décision express. D'autre part, le contrat litigieux ne contient aucune clause relative aux conditions de reprise des stocks ou à l'exploitation d'une chambre funéraire. En conséquence, nous dit le Conseil d'État, en conséquence, la société Millon et Marais n'est pas fondée à soutenir que sur ces deux points, le contrat permettrait à la société des pompes funèbres générales d'abuser de sa position dominante. En d'autres termes, en l'espèce, on rejette l'idée que les règles de concurrence soient violées par la convention en question. Et finalement, ce n'est pas l'apport principal de l'arrêt. Ce qu'il faut surtout en retenir, c'est que pour la première fois, il y a l'admission que les activités normatives des personnes publiques, ayant des effets économiques, doivent respecter le droit de la concurrence. C'est une nouvelle condition de la régularité des actes juridiques des personnes publiques. Alors, en l'espèce, il s'agissait d'un contrat. Est-ce que sa jurisprudence Millon et Marais relative à un contrat n'a pas eu de portée s'agissant des actes administratifs qu'on dit unilatéraux? Eh bien, par la suite, on va constater un élargissement de la portée de la jurisprudence Millon et Marais à la problématique des actes administratifs unilatéraux, et on peut en donner comme illustration un arrêt du Conseil d'État du 26 mars 1999, on voit que les choses se suivent de manière assez rapide, un arrêt du Conseil d'État du 26 mars 1999, société Hertz et société EDA. Alors l'espèce, pour rapidement rappeler les faits, une société forme un recours contre la décision d'Aéroports de Paris de rejeter son offre en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public afin que la société puisse exercer son activité de loueur de voitures sans chauffeur. Le Conseil d'État va faire un rappel, avant de trancher les choses au fond, un rappel à savoir qu'il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendance du domaine public de gérer celle-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. Donc jusque-là, les choses étaient assez classiques. Mais cet arrêt société Hertz et EDA va ajouter un élément nouveau, à savoir qu'il incombe à cette autorité administrative de prendre en compte, en outre, les règles de concurrence lorsque les dépendances du domaine public sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services. En conséquence, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, à qui il revient d'apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine public, de s'assurer que les actes de gestion du domaine public ont été pris en compte, ou plutôt ont pris en compte, pardon, les règles de concurrence. Quand on lit de manière combinée l'arrêt Millon et Marais et l'arrêt société EDA et société Hertz, on constate que l'on est en présence d'actes juridiques qui ont des effets directs sur les activités économiques. Donc, société Millon et Marais, il s'agissait d'un contrat de concession. Dans la jurisprudence société EDA et société Hertz, il s'agissait donc d'une décision relative à une offre présentée par une entreprise. Donc, à chaque fois, des actes juridiques qui ont des impacts directs, des effets directs sur les activités économiques. En d'autres termes, ces actes, qu'ils soient contractuels ou unilatéraux, ont vocation à avoir des effets économiques, en particulier, encore une fois, parce qu'ils retiennent des offres par rapport à d'autres, parce qu'ils sélectionnent une entreprise par rapport à une autre, etc. Ce que l'on constate, là encore en déroulant le fil jurisprudentiel, c'est que les effets de l'arrêt Millon et Marais ne vont pas s'arrêter à ces actes juridiques ayant des effets directs sur le marché économique. On va effectivement constater que le respect des règles de concurrence va aussi concerner des actes juridiques qui ont des effets juridiques uniquement indirects en matière de marché économique. Ces actes juridiques ayant des effets économiques indirects, ce sont ceux dont la finalité première n'est pas économique, mais qui peuvent, par ricochet, avoir un impact économique. Et l'exemple emblématique que l'on peut citer ici, c'est l'exemple des mesures de police. Les mesures de police
que l'on peut évoquer à travers un avis rendu par le Conseil d'État le 22 décembre 2000, donc un avis intitulé Société L&P Publicité. Dans cette affaire, il s'agissait d'arrêtés pris par le maire de Bayonne le 7 décembre 1998, arrêté qui mettait en demeure une société de déposer deux panneaux publicitaires au titre de son pouvoir de police administrative. Pour le Conseil d'État, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou dans certains cas la sauvegarde des intérêts spécifiques de l'administration ou que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir n'exonère pas l'autorité investie de ses pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également les règles de concurrence. Et on constate par là que désormais, les actes juridiques n'ayant pas une finalité économique devront respecter les règles de concurrence dès lors qu'ils sont susceptibles d'affecter les activités de production, de distribution ou de service. Pour conclure sur cette jurisprudence Mignon et Marais, on peut relever deux apports majeurs. Le premier apport, si on reste sur un champ strictement juridique, c'est que cet arrêt Mignon et Marais élargit les sources de la légalité administrative. Il élargit les sources de la légalité administrative puisqu'il va soumettre l'ensemble des actes administratifs au respect des règles de concurrence, que ces actes aient une finalité économique ou que ces actes aient plus simplement des effets indirects sur le marché économique. Et donc ça, c'est un premier bouleversement qui est tout à fait majeur si on reste sur une approche strictement juridique. Le second grand apport de cet arrêt, il est à la fois juridico-politique. Le second grand apport de cet arrêt, c'est naturellement une extension très considérable du champ d'application du droit de la concurrence. Cette extension étant un marqueur de l'installation progressive, à mon sens, d'une logique de néolibéralisme au sens de l'affaire de Williamson. Néolibéralisme qui se traduit pas uniquement à travers cette prise en compte du droit de la concurrence par l'administration, puisque d'autres actions vont se prolonger de manière assez concomitante à ces arrêts, à savoir le mouvement de transformation des établissements publics industriels et commerciaux en sociétés anonymes, EDF, GDF, La Poste. Autre marqueur de cela, de cette mutation, c'est naturellement la baisse des parts publiques des capitaux de ces différentes entreprises publiques. Et le mouvement ultime, le marqueur ultime, c'est naturellement les privatisations. Et donc tout cela, Mignon et Marais, ces différents mouvements, tout cela arrive de manière assez concomitante. Et naturellement, l'arrêt Mignon et Marais, pour toutes ces raisons, est un arrêt extrêmement important en matière de droit public économique et de droit public tout court. Je vous remercie.